tenir depuis les 18 jusqu'à aujourd'hui, c'est un miracle. Alors la personne qu'on va accueillir, qui va venir ici devant, il va venir faire un service. Mais je voulais qu'on l'honore, cette personne-là. Parce que cette personne-là, il a été une bénédiction pour tout un chacun de nous. Cette personne-là a été inspirée depuis les 18. Il a sorti des oracles de l'Éternel en ces lieux. Il a été inspiré par Dieu. Alors je voudrais qu'on fasse une offrande d'acclamation pour le pasteur Pajo Malosa. Non, bien-aimé, que je ne t'oblige pas. S'il a été une bénédiction pour toi, accueille-le comme un papa, comme un père. Merci, c'est gentil. C'est très aimable de votre part. Mais je voudrais qu'on donne encore une bonne acclamation pour celui qui a permis que nous puissions tenir jusqu'à aujourd'hui. Personne que toi. Non, ça c'est pas l'offrande d'acclamation, vous savez, bien aimé. Ça a l'air de rien, mais il y a un miracle qui s'est passé, bien aimé, depuis le 18 jusqu'à aujourd'hui. Si nous sommes là, c'est grâce à l'homme de l'an 33. À celui qui a tout vaincu. Et si tu crois qu'il en a fait, tu acclames, bien aimé. Acclame, acclame, pousse des cris. Alléluia. Tu acclames pour toi-même aussi, parce que tu es à féliciter. Ça n'a pas été facile aussi pour toi, surtout qu'il y a eu de mauvais temps. On a été menacé par des intempéries et par beaucoup de problèmes aussi. En tout cas, ça n'a pas manqué, mais tu as défié toutes ces choses-là pour encourager. Parce que si j'étais là, parce que toi, tu m'as encouragé. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais que tu acclames pour toi-même et que tu acclames aussi pour tous les dirigeants de cette église. Tu acclames, bien-aimé. Dieu est bon, Dieu est puissant, Dieu est vivant. Vous savez, un mois, ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup. Mais nous disons merci à notre Seigneur. Alléluia. Tous les jours, venir, c'est un sacrifice. Ça a un coût. Ça a un coût. Ça déstabilise, ça modifie les programmes, les horaires de la maison, de la famille. Tout est perturbé. Et surtout que cela ne se passe pas pendant un moment anodin de la vie. Non, c'est un moment très important, surtout pour les étudiants, parce qu'il y a des examens en même temps, mais on doit courir. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment donner une offrande d'acclamation pour tous les yayas qui ont tenu l'école des devoirs. Nous allons ensemble Jésus, célébrer Jésus, Dieu. Jésus. Yon zamoyon. Ole ki na monene mo salisi nangu ya nyosobe yo salisa ki awe lala pe mokili na yo o salinyoso na bolingo be. Yon zambo yon.
J'ai pas eu l'occasion de faire autant de célébrations, c'est ma deuxième. Mais cette célébration, elle a été particulière, je pense, pour chacun, dans la contribution que chacun en a faite. Cette célébration, pardon, elle a été particulière à cause de l'apport que j'ai donné. L'apport qu'on donne à cette célébration, qu'on a donné à cette célébration, c'est pas uniquement financier, c'est un apport du cœur, un apport de foi, un apport d'espoir, un apport de reconnaissance. Et toute cette reconnaissance qu'on a témoignée envers le Seigneur, sans venir lui demander quelque chose, sans venir nos propres supplications, nos propres problèmes, mais venir vraiment reconnaître ce qu'il a fait et ce qu'il fera encore, même si on ne l'a pas encore vu, cette contribution-là, elle a touché Dieu. Et c'est ça qui a fait cette célébration, une célébration tout à fait différente des autres. On s'est vraiment attendu à Dieu, on s'est attendu à sa manifestation. Et parce qu'on était dans cette attente, parce qu'on était dans cette expectative, le Saint-Esprit qui ne ment pas et le Saint-Esprit qui ne se renie pas n'a pas manqué de se faire connaître, de se manifester par nous d'une manière tout à fait incroyable. Et je pense qu'il n'y a pas une seule personne ici qui a un témoignage pour cette célébration.
D'abord rendre gloire à Dieu, à l'ange que le Seigneur nous a donné, puis c'est lui qui a reçu la révélation auprès du Père, qu'il a transmis à son peuple. Et je rends encore gloire à Dieu, à ce peuple qui a accepté encore cette révélation. Et c'est ce qui a permis à ce que nous puissions passer 30 jours d'affilée dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que j'allais dire? Il y a tant de personnes dans la Bible qui ont expérimenté la visitation particulière de Dieu à travers... À travers leur contribution d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que nous avons eu à expérimenter durant tout ce temps de la célébration. La joie pour moi, pour cette année de célébration, pratiquement moi je viens de notre pays et ça fait 2 ans et demi que je suis à l'église des Dieux des Réveils. Auparavant c'était difficile pour moi, mais avec l'aide du Seigneur, on est entré, on a mis la main à la pâte. Donc on a pris le rythme de l'église de Dieu les réveils. Vraiment, que Dieu bénisse l'ange que Dieu a placé dans cette église. Personnellement, moi j'ai vécu la main de Dieu. Il y a eu des temps de tribulation, des maladies, des fatigues. Vous allez vous perdre le bus, malgré la fatigue du travail. Mais avec l'aide du Seigneur, on a pu faire tous les calendriers prévus par l'homme de Dieu. Dieu est merveilleux et je vais encourager le peuple de Dieu à la célébration, qu'il neige, qu'il pleuve, soyons tous là, car la Bible dit, nous ne savons ni l'heure, ni le jour où viendra le Fils de l'homme. Beaucoup de gens ont raté leur visitation, mais si tu as été là, quand l'eau a été agitée, je crois que tout le monde a reçu sa part. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, 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 alléluia.
Bonjour peuple de Dieu, donc je m'appelle Marie-Pauline Jonet. Je viens aujourd'hui vous témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. D'abord, je me permets de vous dire merci de m'avoir permis de tenir ce micro aujourd'hui. Par rapport au thème de la célébration de cette année, une contribution particulière à une visitation particulière, j'aimerais dire merci à mon Dieu parce que nous avons failli mourir cette année, nous avons perdu notre maison, nous avons tout perdu cette année, mais Dieu nous a fait grâce. Comme j'ai toujours dit, les matériels, ce n'est rien, mais Dieu nous a tenus en vie, nous a fait grâce, nous sommes sortis sans égratignure de notre incendie. Ben voilà, donc Dieu nous a rendu au centuple ce que nous avons perdu. C'est pour ça que je viens aujourd'hui pour dire merci. Merci à Dieu, merci au peuple de Dieu, merci à l'Église, merci au pasteur de nous avoir soutenus pendant cette période qui fut difficile, certes, mais Dieu nous a rendu au centuple. Merci Seigneur, merci à vous aussi. Bye.
comment est-ce que je pourrais répondre à ces personnes qui ne comprennent pas pourquoi nous venons célébrer durant ce mois de célébration? C'est qu'en fait, nous on sait que notre Dieu est un Dieu qui tient la reconnaissance. Il nous garde durant 12 mois, pendant toute une année. Et nous on veut juste lui consacrer un mois, donc 30 jours pour lui dire merci pour tous ses bienfaits. C'est pas anodin, le souffle de vie, l'être et le mouvement, toutes ces choses-là, on croit peut-être que ce sont des acquis, mais c'est la grâce de Dieu et nous on vient témoigner ces choses-là. On vient reconnaître ce que Dieu fait pour nous. Et donc on célèbre, on chante, on danse, on dit merci à Dieu pour tout. On ne vient pas demander ni exiger, mais on vient juste dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait durant l'année.
Oh, yeah.